110, 115, 120, 130. Ils ralentissent pas. Plusieurs automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse dans les zones de chantier routier. Ça roule vite. Ils ne sont pas toujours sécuritaires. Le ministère des Transports a installé plus de radars photomobiles sur les chantiers pour tenter de faire ralentir les automobilistes cette année. À Montréal et en Montérégie, il y a 6 radars, dans les Laurentides, 3, et 2 dans Chaudière-Appalaches et en Mauricie. On le voit qu'à partir du radar, là, les gens le savent, il y a un ralentissement. Là. Le monde travaille juste là. C'est dangereux. Moi, je travaille sur la construction, là. Je sais comment ça marche. Là. Vous pouvez voir ce radar derrière moi, mais bien sûr, on n'a pas accès à ces données-là. Alors, on a décidé de nous-mêmes faire le test avec ce radar-là et vous allez pouvoir le constater de vous-même. Ce ne sont pas tous les automobilistes qui suivent les limites de vitesse. Plusieurs automobilistes ont excédé la vitesse permise lorsque nous avons fait le test aux abords des chantiers. Un automobiliste roulait même à plus de 100 km à l'heure dans une zone de 50. On voit beaucoup de chantiers, effectivement, où ça arrive qu'il n'y a pas de travailleurs sur les chantiers. Néanmoins, il peut toujours y en avoir, et même lorsqu'il n'y en a pas, lorsqu'il y a des zones de construction avec des cônes oranges et tout, souvent, il y a des changements au niveau de la signalisation. On rétrécit parfois les voies. Donc, il est important de respecter les limites de vitesse, justement, pour éviter là, qu'il y ait des collisions. C'est parfois une question de vie ou de mort pour les travailleurs. À chaque année, c'est mortel là, dans les zones de chantier. Et là, c'est le temps que la ministre des Transports réagisse. En 2023, il y a eu plus de 7000 excès de vitesse lors de travaux et près de 300 omissions de se conformer aux ordres et aux signaux. En 2022, 215 travailleurs ont été impliqués dans des accidents causant des lésions professionnelles, une hausse de 258% par rapport à 2017. Le monde ne respecte pas la loi du corridor de sécurité, le monde roule en fou. Pour cette raison, il y a plusieurs opérations policières au cours de l'été. Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, début des vacances de la construction, qui s'en vient bientôt, et ensuite le retour à la fête du travail au mois de septembre. Là, c'est les quatre périodes qui sont les plus préoccupantes. Dans deux semaines, les vacances commenceront pour plusieurs Québécois. Le mot d'ordre sera « sécurité sur les routes ». Annick Berger, TVA Nouvelles, Dorval.